fille, alors pour préparer cette coiffure, j'ai commencé par scinder mes cheveux en trois. Donc j'ai fait deux portions à l'avant et une portion à l'arrière. Donc là, je fais ma ligne pour ma tresse. Donc je vais faire des flat twists. Je mets ma chantilly de karité que j'ai fabriquée récemment pour nourrir mes cheveux. Et là, je commence à faire ma tresse. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé comment faire des flat twists. J'espère que vous parvenez à voir plus ou moins parce que je suis pas non plus expert en tresse. Je me débrouille tout simplement. Donc, j'essaierai plus tard de faire une autre vidéo dans laquelle je vous montre plus précisément comment je fais mes différentes tresses. Je penserai bien à faire cette vidéo. Voilà, je fais ma tresse et une fois tout au bout, je vais simplement faire une vanille. Voilà la première tresse terminée et je vais faire pareil sur toute la devanture. On passe ensuite à l'arrière, donc je vais faire des vanilles à trois brins. Donc vous allez voir comment je procède. Voilà, donc un brin, deux brins, une sorte de mini flat twist en fait, trois brins et je continue à vaniller. Ensuite, je roule ma vanille pour former un bantonnot et je fais le bantonnot sur toute la portion arrière. Bon, là, je reviens à l'avant, je modifie parce que c'est déjà sec et je les prends par deux et je fais des bantonnots. Le lendemain, je défais mes vanilles. Bon, là, j'ai défait simplement les vanilles. Et maintenant, pour avoir plus de volume, je vais séparer en plusieurs brins. Bon, je n'hésite pas à bien séparer parce que je ne recherche pas spécialement que mes cheveux soient super définis. Je veux juste avoir du volume pour cette coiffure. Je défais également les bantonnots des vanilles à l'avant. Mais là, je ne détache pas les vanilles, je les garde telles quelles. On va maintenant mettre tout ça en place. Bon, je vais relever les cheveux de l'arrière. Je vais la tenir en place avec les brins de vanille de l'avant. Donc je fais ça vraiment parce que j'ai pas envie d'utiliser un élastique ou un bandeau sur cette coiffure parce que je trouve que c'est plus esthétique sans bandeau. Donc je prends les brins de cheveux devant, je ramène à l'arrière et je sécurise. J'en prends 4 au total de chaque côté. Ensuite, les autres brins de vanille, je vais simplement mettre des pinces à l'avant pour les tenir en place. Donc voilà, vous avez là une coiffure pratique pour passer la semaine.